Et ensuite, c'est Radulov qui reprend. Radulov rejette derrière Alsner. Hobbs qui est sur la marche, qui sera chassé. Et Hobbs est inconscient sur la patinoire. Et Walker jette les gants en représailles à la mise en échec de Shaw, qui était, il faut l'avouer, la mise en échec limite. Walker ne fait que 5 pieds 8. Shaw, lui, 5 pieds 11. Et Shaw en avait contre les Capitals depuis le croc en jambe en territoire central que Jim Beagle lui avait servi. Il y a eu un double échec par la suite au départ de Walker. Il y a eu cette mise en échec. Andrew Shaw là, qui s'adresse au banc des Capitals alors qu'on lui indique le chemin des douches. Walker va retraiter vers le vestiaire également. La bonne nouvelle du côté des Capitals, c'est que Hobbs est conscient et répond aux questions du thérapeute qui s'est amené sur la patinoire. Voilà le croc en jambe qui a mis, je vous dirais, Andrew Shaw dans tous ses états. Il a regardé un peu tout le monde, double échec par la suite à Walker, et ça s'est poursuivi jusqu'à cette mise en échec contre laquelle on va sévir dans le dos de Hobbs, ça ne fait aucun doute. Jette les gants contre Walker par la suite, demande à la foule de réagir. On n'a pas apprécié du côté de Beagle le coup de poing que Shaw a donné lorsque Walker était sur la patinoire.